Bon, on est là pour un BC spécial sur mon acquisition de Final Fantasy VII, un jeu que j'ai jamais joué, une série que je n'ai jamais jouée. En fait, le seul RPG qui pourrait y ressembler serait Pokémon. J'en avais appartenu deux sur Nintendo DS et 3DS. À part de ça, les autres RPG que j'ai joués, je n'ai pas joué beaucoup. Je pense que c'est les Elder Scrolls et les Fallout. À part de ça, je n'ai pas joué à aucun autre RPG. Je ne crois pas. Attendez, on peut peut-être regarder. Tiens, on va peut-être regarder. On va regarder. C'est un peu spécial, je pense que je vais vous mettre le logo Final Fantasy VII, je sais pas trop quoi. Quelque chose du genre. Et voyons voir si j'aurais pas un RPG dans ma liste de jeux PlayStation 2, par exemple, parce que ma liste de jeux PlayStation 1, j'en ai pas. Et est-ce que le Wii, j'en ai? Est-ce que ma liste de Wii, j'en ai? Je pense pas. Je suis certain que non. Non, Fallout 4, c'est un RPG. J'ai regardé vite fait. Mais en tout cas, juste pour dire que je n'ai jamais joué à un RPG ma vie. Un vrai RPG, comme Final Fantasy, j'imagine. Et, ben, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est un des meilleurs jeux. Un des meilleurs jeux qui existe. Et j'aimerais bien voir ce qu'il y en a l'air. Ce qu'il y en a l'air, tiens. Voyons voir. Crash Bandicoot, Warped, NHL 2005, Ghost Recon 2, qu'est-ce que c'est pas ça? Ça doit être Baseball, Street Racing, Racing Evolution, Le Mans, Racing, US Navy SEAL 2006, Batman, Mystery Man, qu'est-ce que c'est que ça? Championship, Freestyle, Driving, ah non, Driving Club, Midnight Club, James Bond, Everything or Nothing. Non, c'est pas ça. Ah ouais, aussi. Under Fire. Time Splitters 2. Frontline. Vice City. Je ne vois pas de RPG, si je peux vous dire. Je ne crois pas que j'appartiens à RPG. À part, comme je dis, les jeux que j'ai mentionnés. Donc, c'est pour vous dire. Je suis certain que je n'appartiens pas à RPG. Tiens. Donc, ce sera une nouvelle expérience pour moi. Qu'est-ce que je vais peut-être faire? Ce sera peut-être un BC spécial unboxing, quelque chose du genre. Et un genre de BC spécial où est-ce que je vais faire un genre de, peut-être un montage, je sais pas trop quoi, de moi en train de faire quelques niveaux. Je sais pas trop quoi, je vais bien voir. Je vais essayer de trouver une façon, si je peux, de jouer, de refaire les, ben, de jouer au jeu la première fois, tout en parlant un peu, si je peux. Sinon, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de faire un BCS live où est-ce que je n'ai pas fait section du jeu, par exemple, quelque chose du genre. Ce sera pas une BCS découverte. Ben, qu'est-ce que je pourrais dire? Juste, j'ai jamais joué à Final Fantasy, je ne sais absolument pas quoi mettre, quoi expecter, à part les barres d'expérience. Mais je ne sais même pas que si le gameplay a de l'air, je ne sais même pas que si la caméra a de l'air. J'espère que ce n'est pas une caméra, ben, ça pourra, pas comme parce que j'ai vu les nouveaux Final Fantasy. Je pense que c'est A Realm Reborn, et le jeu a l'air complètement pourri. J'espère que la caméra n'est pas comme ça. En tout cas, ça serait un coup à prendre, sinon. Non, je suis sûr que non. L'interface n'est pas comme ça. Bah, j'essaie de penser. Non, je n'ai pas joué. La seule chose que je connais, peut-être, c'est le genre de gars avec le chapeau, mais je pense que c'est pas dans Final Fantasy 2. Donc, les seules choses que je connais sont Cloud. Le gars avec le chapeau, puis le gars Squall, je crois. Ouais, c'est ça. Le gars avec le chapeau, le gars Cloud, et le gars Squall. À part de ça, j'ai absolument aucune idée de Final Fantasy, et le logo de Final Fantasy 7. C'est la seule chose que je connais vraiment. Ah, et l'épée. Je crois qu'il devrait avoir plusieurs épées dans le jeu, mais je ne suis pas certain. D'après une image que j'ai vue, je me suis dit, il y a beaucoup d'épées différentes. Lorsque j'ai acheté le jeu, j'ai vu, il y avait beaucoup d'images d'épées, parce que le gars vendait des épées aussi, de Final Fantasy. Je me suis dit, ben, il doit avoir plusieurs épées différentes. Et en même temps, ça m'étonnerait pas, parce que des jeux, même si ce ne sont pas des RPG, les Zelda, on peut récupérer des différentes épées. Donc, ça m'étonnerait pas. Ben, ça commence à s'éterniser un peu. Je vais faire juste un petit spécial, spécial de 3 minutes. Ça s'éternise un peu. Est-ce que je devrais l'arrêter tout de suite ou on peut continuer un peu? Bon, on pourrait bien continuer, non? On pourrait regarder tous un trailer ensemble du Final Fantasy.
qu'on devrait regarder un trailer ensemble? Je me demande. J'ai pensé. On peut bien regarder vite fait, tiens. Mais j'aimerais peut-être mieux pas regarder le trailer. Peut-être. On peut bien regarder vite fait, tiens. Est-ce que je... Bon, ma clavier fonctionne pas bon. Parce que je dois absolument débrancher mon clavier pour pouvoir parler avec mon micro. Donc ça. C'est complètement pourri parce que j'ai un autre port USB de libre, sauf qu'il ne veut pas fonctionner. En même temps, je pense que c'est tout, hein. C'est juste pour vous dire que, en même temps, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais j'ai acheté Final Fantasy. Bien sûr, en version physique, n'est-ce pas? Qui a coûté quand même assez cher. Le prix d'un jeu, le prix d'un jeu d'aujourd'hui, presque. J'ai été chanceux que j'ai pas payé plus cher, ça, j'imagine. Et le jeu n'est pas nul non plus. Hein. C'est pour vous dire. Le jeu n'est pas nul. Par contre, je dois avoir une bonne qualité. Je dois avoir les trois CD. Le manuel et le coffre du jeu. Le coffret. Donc, bon, en tout cas, pour tous les jeux PlayStation 1, je veux toujours avoir le coffret si possible. Je te souviens de continuer. Tiens, jusqu'à 10 minutes, ça continue comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Mais peut-être que je pourrais dire qu'est-ce que je pense que je m'attendrais, qu'est-ce que je rechercherais peut-être dans le jeu. Mais en même temps, j'aimerais bien que le jeu soit un peu comme Skyrim, où est-ce que il y a plein de quêtes différentes à faire, peut-être des factions, peut-être même. Ouais, ça sera bon. Parce que je suis bien dans Pokémon, il n'y a pas de faction, rien. Il n'y a pas vraiment de quête secondaire. C'est vraiment la quête principale. Et tu promènes alentour et tu rencontres des personnes à Pokémon, mais j'imagine que le jeu doit être quand même assez différent. Parce que j'imagine, hein. Par contre, j'imagine que le combat doit être un peu similaire à Pokémon, un peu, je veux dire, parce que je pense que c'est un combat à stratégie, je crois. Ou est-ce qu'on doit faire chacun à leur tour? Je ne sais pas trop. En tout cas, je sais qu'il va avoir l'expérience, ça, j'imagine que, et j'ai entendu parler que, j'ai pas déjà entendu parler, mais je sais que les RPG, on doit souvent faire, comme on dit, le grinding, pour avoir de meilleurs niveaux, pour que ce soit plus facile. J'ai hâte de voir ce que ça a l'air. Parce que j'aime bien Pokémon, mais ça vient un peu lassant à un bout. Donc j'imagine que il va y avoir une bonne histoire, parce que c'est un RPG. J'imagine qu'il va y avoir de bonnes musiques. Et j'en ai absolument aucune idée du musique, j'ai jamais entendu de musique de Final Fantasy. Donc j'ai bien hâte de voir. Parce que il y a beaucoup de monde qui disent que les musiques sont excellentes. Même plus. J'imagine que ça va être à la hauteur de Metal Gear Solid, j'imagine. Ou d'un Gran Turismo 1 et 2. Même 3, j'imagine. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que c'est tout. Mes expectations, peut-être. Tout le monde dit que le jeu est extrêmement bon, mais je vais pas mettre mes expectations. Je vais pas expecter que le jeu soit le meilleur jeu de tous les temps. Parce que sinon, on sait bien qu'est-ce qui va arriver, sinon. Chaque fois que quelqu'un fait ça, le jeu devient complètement pourri après. Que ce soit n'importe quel jeu. Je vais l'attendre comme un jeu normal. Et je vais bien voir. Je vais l'attendre comme si j'attendrais un Pokémon. Et le jeu devrait vraiment m'impressionner. Comme ça, j'imagine. Et je devrais vraiment l'aimer. Parce que c'est ce que je veux. Je veux quand même l'aimer. Donc je vais pas quand même l'expecter comme j'ai fait pour Ratchet & Clank Future Cooking Time. J'avais expecté pendant des années. Mais que j'étais extrêmement chanceux pour ça. Parce que je n'ai jamais été déçu du jeu. Plus en dernier, et plus tard, quelques années plus tard, je me suis dit peut-être qu'ils auraient dû peut-être garder David Bergo. Peut-être qu'ils auraient dû mettre le propulseur au parc et quelques petites autres choses, mais à part de ça. Je n'ai jamais été déçu du jeu. Par contre, tous les autres jeux après que j'ai attendu, que j'ai vraiment attendu, j'ai toujours été déçu. Même Metal Gear Solid 5, j'imagine. C'est quand même dommage. Mais j'ai quand même été un peu déçu par la fin. Tout le monde était déçu par la fin. Même par l'histoire. Par contre, j'étais quand même content comment qu'ils ont arrangé l'histoire, mais par contre, ils auraient. On dirait qu'il en manquait, peut-être pas qu'il en manquait, mais on dirait que entre les missions, ils auraient peut-être dû mettre un peu plus d'histoire, mais bon, c'est à cause de tout le monde qui sont pleins. Mais en même temps, le jeu fonctionne bien comme ça. C'est juste peut-être d'avoir. Il aurait peut-être dû avoir un peu plus de missions. Qu'on puisse. Qu'il y ait plus un peu plus d'histoire. Mais en même temps, comme que l'on veuille ou non, le jeu aurait été de la même façon, juste qu'il aurait été étendu. Donc, ça aurait fait moins mal, mais on aurait probablement été encore déçus pareil. Ça, c'est tout à cause du monde qui sont pleins d'histoire de Metal Gear Solid 4.
En même temps, j'ai pas été vraiment déçu de l'histoire. C'est juste un peu que le jeu, en tant qu'histoire, se termine rapidement. Si je parlais je parlais dans mon BCSS de Metal Gear Solid 5. C'est parce que on est tellement intéressé à l'histoire que l'histoire se finit en 2 secondes et on sent comme si on arrêtait. On sent comme si on avait eu le Phantom Pain. Ça, j'ai expliqué dans Metal Gear Solid 5, le BCSS. Mais en tout cas, le jeu est complètement excellent. Mes attentes n'ont pas été extrêmement fondées. Par contre, depuis certains updates, mes attentes ont. Mes déceptions ont été moins. Ont été descendues, j'imagine. Parce qu'il y a eu plusieurs updates comme par exemple, jouer avec des amis par exemple, pas online, mais au FOB de Metal Gear Solid 5 et tout ça et tout ça. Et quoi d'autre? Placement des caméras et tout ça, des mines. J'aurais juste aimé qu'on puisse placer un peu plus de personnel où est-ce qu'on veut. Ça, j'aurais aimé mieux. À mon avis, c'est pas assez. On peut pas assez arranger ce côté-là. Mais en même temps, c'est quand même assez difficile de plus de. En même temps, c'est assez difficile, comme que je viens de dire, de planifier où est-ce que tout ce que les joueurs veulent faire avec les mines, les caméras, les soldats et tout ça. Donc, mais en tout cas, ils auraient dû sortir le jeu un an après. Le jeu aurait été beaucoup mieux. Mais bon, c'est un peu pour vous dire que lorsqu'on a des grosses attentes, eh bien, tout le monde trouve que le jeu est pourri. Comme par exemple Fallout 4, tout le monde avait des attentes de fou. Eh bien, le jeu n'est pas. Tout le monde l'a trouvé juste un peu. Il ressemblait un peu trop à Fallout 3, ce que je ne trouve pas. Je trouve le jeu est extrêmement bon. Par contre, j'aime mieux Fallout New Vegas parce que c'est le premier RPG que j'ai joué. RPG normal, pas RPG japonais. Donc, parce que le premier RPG que j'ai joué, je pense que c'était Pokémon quoi? Je m'en rappelle plus comment il s'appelait. Légendaire, est-ce que c'est ça? C'était pas Diamant. Est-ce que c'était Pearl? Je pense que c'est Diamant. En tout cas, je sais pas. Je m'en rappelle plus trop, en tout cas. Il y avait un Pokémon légendaire, un genre de d'insecte qui vole. En tout cas, c'est pour vous dire que je vais vraiment avoir, j'imagine, mon véritable premier RPG, j'imagine. Et que j'ai très hâte de voir ce que ça en a l'air, parce que tout le monde dit que c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont été déçus par le jeu. Lorsque le jeu était sorti. Mais bon, vu que c'est mon premier RPG, je ne devrais pas être déçu, mais je devrais peut-être même être impressionné. Et c'est ce que je recherche, quand même. Parce que je vais vraiment voir si les RPG sont si bons que ça. Ou si, je veux dire, les RPG, si les Final Fantasy sont si bons. Ou si c'est juste des personnes qui risent de nous. Mais en même temps, j'imagine que si tout le monde le dit, ça doit être quand même assez bon. On va bien voir. Je vais bien voir. Et peut-être que même, je pense même que je vais faire un BCS test. Mais je suis pas sûr. Parce que je vais quand même le finir, au moins. Finir pas mal à 100%. Ok, il doit être quand même long. Ça doit être dans les 100 heures, j'imagine. Finir un RPG comme ça. J'imagine. Parce que je vais en avoir pour mon argent, j'imagine. Eh bien, c'est ça. En tout cas, je pense que c'est tout pour le BCS. Le BCS spécial, j'ai beaucoup trop allongé ce BCS spécial. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se revoir pour la prochaine vidéo? Et je peux bien vous dire qu'est-ce que c'est la prochaine vidéo qui va s'en aller. Est-ce que je devrais vous dire? Je pense que je peux vous donner un indice. Mais j'avais planifié, je peux même vous dire, tiens. J'avais planifié mettre le BCS zombie, que j'avais parlé du dernier BCS style. À la place de cette vidéo, sauf que maintenant j'ai fait cette vidéo, je suis aussi bien de la poster tout de suite, plutôt qu'attendre, parce que j'ai d'autres BC spéciales en réserve, plutôt qu'attendre en dernier, je vais la poster comme directement tout de suite. Donc, le moment où vous la verrez, un BCS zombie viendra après, pour ça peut-être des BCS live ou quelque chose du genre. J'ai encore beaucoup de vidéos, mais ça diminue. Par contre, je vais vous dire, j'ai terminé, parce que je peux bien vous dire, j'ai terminé la BCS liste de Ratchet & Clank 2, et ça, je suis très content. Parce que c'était quand même assez long. Mais maintenant, ça devient un parcours plus difficile par contre. Parce que je vais faire des BC Lucellus où est-ce que les parties seront plus longues. Donc, de plus en plus longues. Après ça va rétrécir un peu, après ça va devenir encore plus long. Après ça va rétrécir. Ça va rétrécir dans les 20 minutes, j'imagine, plus tard, en dernier. En tout cas, je vais vous laisser aller pour cette vidéo. Et je peux peut-être la continuer pour une petite minute encore, j'imagine. Bon. Je m'éternise, mais bon. Qu'est-ce que j'ai?
Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, mais attends, j'essaie de penser. Est-ce que j'avais regardé un trailer? Non, 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 on regarde pas. Ça aurait été quand même intéressant de faire. Avoir. De faire le trailer. Ça aurait été intéressant. J'imagine. J'essaie de penser. Est-ce que je devrais faire le trailer ou je devrais pas? Non, 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 quand même, je devrais pas regarder le trailer. En même temps, c'est intéressant. Je préfère en savoir plus sur le jeu. Il n'y a personne qui fait ça non plus. Non, je ne le ferai pas. Parce que je vais vraiment découvrir le jeu lorsque j'y joue. Donc, ce sera mieux comme ça. Donc, je pense que je peux vous laisser ici pour ce BC spécial qui a duré quand même assez longtemps, les 16 minutes. Et on va se revoir pour une prochaine vidéo, hein. Pour vous, ce sera le prochain BC Zombie. Pour moi, d'autres prochaines vidéos. Donc, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Et au revoir!